Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de mon tout nouveau book haul, mais ce n'est pas un book haul habituel, c'est un book haul de mes livres uniquement en version originale. Donc ce sont des livres que j'ai commandés sur le site vol.com et pour la plupart, je pense, oui, sauf un. C'est un site internet sur lequel je trouve des livres en version anglaise ou même en version française pas cher du tout comparé à ce que je peux trouver sur Amazon. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas sauter sur l'occasion. Je vais directement commencer parce que j'en ai quand même pas mal à vous proposer. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous en avez déjà vu deux passer. Il s'agit de Firefly Lane de Christine Anna. Ça, c'est un livre que j'avais vu passer sur le BookTok anglophone. Une BookTokieuse que je suis assidûment dans toutes ses vidéos. Elle en avait parlé. Étant donné que j'ai à peu près le même style de lecture que cette personne, il s'agit de Sarah Caroy. Je vous mets peut-être éventuellement le lien de sa chaîne dans la bio si vous voulez aller voir sa chaîne. Si vous comprenez l'anglais, que vous lisez également en anglais, je pense que c'est une chaîne qui pourrait éventuellement vous intéresser. Donc le premier, il s'agit de Firefly Lane. C'est un livre qui me tente énormément, je dois l'avouer. En plus de ça, la couverture, je la trouve magnifique. Je sais que ça parle d'une histoire d'amitié, mais c'est à peu près tout ce que je sais parce que je n'ai pas voulu trop me spoiler. Ensuite, nous avons Just for the Summer de Abby Jimenez. Ça aussi, c'est un livre que j'ai vu passer partout sur le BookTok anglophone. C'est un livre qui fait fureur. Donc, quand je l'ai vu également à 10 euros, je n'ai pas pu résister. Donc, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure cet été pour le lire. Ensuite, nous avons un livre que j'ai déjà écouté, enfin que j'ai déjà lu. Il s'agit de The Fine Print de Lauren Asher. C'est donc le premier tome dans la saga Dreamland Billionaires. Et honnêtement, je l'avais beaucoup aimé quand je l'ai écouté. Donc là également, je n'ai pas pu résister à l'envie de l'acheter. En plus de ça, je trouve que ces petits détails sont vraiment magnifiques. À chaque début de chapitre, on a donc une petite illustration. Et vraiment, c'est des petits détails que j'adore dans les livres. Et donc, je n'ai pas pu résister à l'envie de l'acheter également. Celui-là aussi devait être pas loin de 10 euros, je pense. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, nous avons un autre livre qui fait beaucoup parler de lui dans le BookTok, que ce soit anglophone et maintenant ça commence un petit peu dans le BookTok français. Pourquoi ? Parce que je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'il va être traduit. Et il s'agit de Butcher and Blackbird de Bryn Weaver. Il s'agit d'une dark romance. Si j'ai bien compris, c'est avec des serial killers et des choses comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure. C'est un livre, en plus de ça, que j'adore la couverture. Et je sais qu'il y a déjà le tome 2 et 3 qui sont sortis, si je ne dis pas de bêtises. C'est un livre que beaucoup de gens ont lu. Comme on peut le voir ici au-dessus, hein, romance, meurtre et chaos. Vraiment, si vous aimez les dark romans, je pense que ce livre peut vous intéresser. Ensuite, je vais continuer avec le plus gros. Et il s'agit du coffret de la saga Shatter Me. Donc nous avons Shatter Me, Unravel Me, Initiate Me, Restore Me, Defy Me and Imagine Me. Voilà, ça aussi je sais que ce sont des livres qui font beaucoup parler d'eux. Je sais que maintenant ils vont même la rééditer en français. Mais j'avais envie moi de la découvrir en anglais parce que je trouve que par moment c'est mieux la version originale. En plus de ça, comme je sais que c'est une version... Enfin, ce sont des livres qui sont... plus ou moins jeunesse. Je sais que si vous commencez la lecture en anglais, je pense que ce sont des livres que vous pourriez facilement lire. Malheureusement, le seul problème que j'ai avec ce coffret, c'est qu'il est arrivé un petit peu abîmé. Comme on peut voir là, sur les coins du coffret, c'est un peu déchiré. Ici, on a un livre qui est un peu aussi abîmé. Mais honnêtement, je pense que j'ai payé pour la totalité 52 euros, je crois. Également sur Bol, alors que sur Amazon, il est quasiment 60 euros. Donc, je n'ai pas pu résister. Et ensuite, il en reste encore trois des nouveaux que j'ai achetés. Il s'agit de C'est You Swear de Megan Brandy. Ça aussi, c'est un livre que j'ai vu passer beaucoup sur le BookTok français. D'abord, je l'ai vu passer sur le BookTok français. Et ensuite, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux en anglais, surtout YouTube et tout ça. Donc, je sais qu'il avait fait fureur quand il est sorti. Ils disent ici, ils disent que le premier amour reste pour toujours. J'espère qu'ils ont tort. Ça donne envie.
ça donne envie, vraiment, ça donne envie. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, parce que moi, j'avoue que j'achète pas les livres. Et j'achète des livres et je ne sais pas trop de quoi ça parle, j'achète au feeling. Donc, on verra bien. Ensuite, là, c'est le seul livre que je n'ai pas acheté sur Bol, mais j'ai acheté à la Fnac. Il s'agit de La vie invisible de Adi Larou, de V.E. Schwab. C'est un livre donc, que j'ai pris en anglais. Ça, je sais que c'est un livre que j'avais énormément envie de découvrir. Et donc, quand je l'ai vu, je n'ai pas pu résister, je l'ai pris. C'est un livre que je sais qu'il fait fureur également sur les réseaux anglophones. J'ai vraiment envie de le découvrir. Vraiment, ça fait depuis qu'il est sorti que j'ai envie. Et alors, le dernier que j'ai à vous proposer dans cette vidéo, il s'agit de The Way I Am Now de Amber Smith. Là, il s'agit du second tome de The Way I Used to Be que j'ai également dans ma pile à lire depuis un petit moment. Ce qui m'énerve un petit peu, c'est que ce n'est pas le même format et ce n'est pas le même livre que j'ai en premier, mais ça, c'est pas trop grave. J'avais envie de continuer la saga. Je ne sais pas si c'est une duologie ou si on en aura plus. Donc voilà. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé dans cette vidéo et ce que vous en avez pensé. Et également me dire si vous lisez en version originale par moment. J'aime toujours découvrir avec vous, j'aime toujours lire vos commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Laissez un petit like et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.